UFDG. Vive l'alternance. Vive l'UFDG. Vous me recevez bien, car vous n'avez pas fait ça là. J'espère que vous n'avez pas fait. Dans ma shop, nous, on ne court pas derrière les grands. On cherche pour nous-mêmes, pour s'en sortir nous-mêmes. Donc du coup, voilà. Je fais cette vidéo pour encore une nouvelle fois. Je suis content aujourd'hui. Ma première dame, je suis un militant. Parce que les gens, vous êtes en train de confondre vitesse et précipitation. Vitesse et précipitation, là, ça veut dire quoi? Je ne me suis pas lancé dans la politique. C'est-à-dire, quand je me lance dans la politique, ça veut dire que je suis politicien. Je m'engage à être un fervent militant de l'UFDG pour combattre le mensonge. Parce que c'est l'UFDG seulement qui peut battre ça. Donc, prochainement, Mayouté, Kaloum, Nzama Otode, Saradjevo, Abirin, honnêtement, on a engagé Kaloum, Bolobine, Almamia, Tombo, Abirin, Afia, Kenyen, Abirin. En tout cas, big up dans ma dernière Abirin. Soso dit, il faut qu'on se donne la main pour dire cette fois-ci qu'on est fatigué. Donc, que cette fois-ci, ça va quoi. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour quelque chose. Les gens qui sont en train de mettre des commentaires là, ah, tu veux aussi manger, tu veux manger dans UFDG, non. Détrompez-vous, moi je ne veux pas vous répondre. C'est-à-dire, je maîtrise tellement le blog que même si une personne qui insulte ma maman, je ne te réponds pas. Je te laisse entre toi et Dieu. Ah ouais, je te réponds pas. Et quand tu mets un commentaire, tu insultes même ma maman, Midangoma. Je te laisse en toi et Dieu. Mais ça ne doit pas vous surprendre et ça ne doit pas vous étonner. Nous sommes tous des Guinéens. Il y a des peuples qui sont dans RPG. Il y a des Soussous qui sont dans UFDG. Il y a des Malinké qui sont dans les autres partis. Et il y a les peuples qui sont dans les autres partis, à part l'UFDG et RPG. Donc, si moi je m'engage à l'UFDG, ça ne doit pas vous surprendre. Ou bien tu as la Guinée Kamounana. Hein? Ça ne doit pas vous surprendre. Hein? Donc, ceux qui sont en train de dire parce que à cause de mon appartenance ethnique, ça vous surprend de me voir en train de soutenir l'UFDG. Ça ne doit pas vous surprendre. C'est OPP qui parle. Vous parlez là, tu veux manger, tu veux. Je veux manger quoi? Je suis dans mon shop là, hey, je vends ça. Depuis là, je me cherche moi-même. Tu viens, je te vends. Je vends des canapés, des trucs que j'achète en Europe. J'envoie, je revends. Je suis dans plein de choses, j'ai pas besoin. Donc, si ma décision te déçoit, franchement, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Tu dois la respecter parce que ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Hein. Mettez du cœur. Voilà, mettez du cœur. Parce que là, là, ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas entendre ça. Pourquoi mon adhésion vous fait aussi mal? Parce que, en réalité, de quoi je suis capable? Vous savez en réalité de quoi je peux apporter à l'UFDG. Moi, je ne m'engage pas à l'UFDG, lâchement. Hein. Comme si, maintenant, je me suis engagé à l'UFDG. Sauf si UFDG, eux, me trahissent. Mais moi, je ne trahirai jamais l'UFDG. Gardez les vidéos là. Hein. Moi, je suis la Syrie. La Syrie, Rore. Nga, Asomba Barogni, Agnefounou Saranama, 13 ans, ma mère. Mon papa l'a épousé à l'âge de 13 ans. Et jusqu'à 13 ans, jusqu'à la mort de mon papa, ma mère n'a jamais été... C'est-à-dire, mon papa n'a jamais cherché ma maman à cause de l'impolicesse. Non, non, non. Ma mère, elle a travaillé pour ma maman. Donc, on fait partie de ces enfants-là, des fils dignes du pays. Parce que quand ta maman travaille pour ton papa,
C'est ce qui va te suivre. Nanambra mefora. Kalewa e konkan nunkan abira abore et mouinoma. Donc je vous dis, ceux qui sont fâchés là, ceux qui sont en colère là, ceux qui pensent que on part à l'UFDG pour pouvoir manger quelque chose. Hé, hey, on a nos vies, oh. On mange bien, oh. On dort bien. Oh. Hein? En tout cas, il y a un boss. Il y a un boss qui est en train de se faire. Ou bien, il y a un boss qui est en train de se faire. Voilà. Et puis, il y a un boss qui est en train de se faire. Il y a un boss qui est en train. Donc, du coup, reste tranquille. Tu restes dans ton coin. Tu supportes ton parti. Et laisse les autres supporter leur parti. C'est tout. Ça ne doit surprendre personne, je vous dis. Ça ne doit pas vous surprendre. Parce qu'il y a des peuples. Ce n'est pas des peuples qui sont derrière Alpha Condé comme ça. Et vidéo Rabama, il a vu Rabama. Et Doroma, il s'affiche avec le président Alpha Condé. Mais si les sous-sous partent s'engager avec Ela Selou, ça doit vous surprendre avec Agi Alimatou. Je suis content parce que tout de suite, là, tout à l'heure, là, ma première dame, Agi Alimatou Dalin, elle m'a appelé au téléphone. On a parlé, on a bien parlé, très bien parlé. Donc, Abara Balan, Agnon. Oh non. Aujourd'hui, ma journée déjà, ça a commencé par le bonheur. Je suis sorti chez moi. Je suis venu, j'ai prié à la grande mosquée de Bambeto. La grande mosquée de Bambeto. Hey! Les vieux là, qu'Allah les donne longue vie. Qu'Allah, c'est-à-dire qu'Allah les donne bonne santé. Parce que les vieux, les responsables de la mosquée de Bambeto, ils ne savent pas que moi je suis sur le réseau social de Myriam. Je les ai seulement dit, je suis venu en tant que Guinéen, je les ai seulement dit, ah, je suis venu, je veux filmer le Routouba. C'est tout, hein. Ils ont dit, ah, soyez les bienvenus, c'est tout. Un accueil riné, à Fangidira, ils m'ont très bien accueilli. J'ai filmé, vous avez vu, il y a le live sur ma page. Ils m'ont très bien accueilli, j'ai filmé et j'ai prié dans la loge officielle. Et t'as fallu ma raciste dans l'année là. Et t'as fallu ma la Guinée Kamou dans l'année là. Et t'as fallu ma Soruba, Terba, Gloriki, Amiriki. Non, on veut une Guinée unie et indivisible. On veut une bonne, c'est-à-dire une bonne avenir. C'est-à-dire un bon avenir plutôt pour la Guinée. Pour moi, ma mère Roma. Moi, ma mère Roma, mère wa mai bori sa fe kambi, mère yete kamposhi katari, nu ira fami, nu yenge romuri, en woto magaro e saragina du mede be, et mubori ma lima, et ta mambira manan fora. Donc, ma yutu en rebiri na kalum, obiri ni live to, obiri na la video to, parce que ma du mende ngili follow on air, kuru, ma petit. Donc, ngoro ma fora, on va se préparer. Na 50 000, na 200 000, na téléphone ina iso ma woyira neki. Woulena rago, wa kolonka, et nous toro, ils vont vous oublier. Quand ils auront le pouvoir là, c'est fini. A bon entendeur, au revoir. Nana radi. Wa comprend feka. Donc du coup, comme vous avez vu mon live d'avant-hier là, les jeunes de Kaloum, vous m'avez appelé pour me féliciter. Big up Naoma. Donc wa kolon. Il faut que nous, la jeunesse Soussou, on se dise maintenant, ah, c'est bon, parce qu'on est trop marginalisé par nos cadres Soussou. Est-ce que Nan Soussou comprend? Et Nan Mato Fenebi, boss Miradi, Emery Nan Rafé, Yai Soma, Bira Bore, Oule Kui. Donc, Momo Miri Kombima, Momo Miri Ma Berema, Momo Miri Heli Kanama. C'est l'alternance, la démocratie, la citoyenneté. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Chacun est libre de voter où il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Sans manquement de respect à qui que ce soit. C'est tout. Je parle comme ça à visage découvert. En disant la réalité sans dire les mots déplacés. C'est-à-dire la vérité, franchement. On veut le changement. Et moi, ce que j'ai choisi l'alternance et l'UFDG. C'est tout. Ah bon, entendeur, salut. Si toi, tu es fâché pour ça. Parce que moi, je suis. Il y a des gens qui m'ont appelé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé.
Il me dit, non mon frère, je t'aimais beaucoup, mon frère, j'avais beaucoup de respect pour toi parce que tu donnes des bons conseils, la religion et autres. Mais mon frère, tu m'as déçu. Donc tu veux que toi, là où toi tu soutiens, là, tu vois la mentalité. C'est pourquoi quand on dit en Afrique, il n'y a pas de politique en Afrique, c'est vrai. Il n'y a pas de politique en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a en Afrique? C'est la politique ethnocentrisme. Et à Colomb, tu sais que ton parent là, lui ne travaille pas. Mais tu veux seulement qu'il soit là-bas, parce que pour qu'on dise seulement c'est ton parent. C'est ce qui est dans toute l'Afrique, et plus particulièrement la Guinée chez nous. Nous, des trucs comme ça là. C'est ce qui est en train de nous mettre en retard. Tant que toi, Guinéen qui me regarde, tant que tu mettras la haine d'une autre ethnie dans ton cœur, ton pays n'ira pas de l'avant. Tes dirigeants continueront à se servir de toi parce que ton cœur n'est, c'est-à-dire, ben ça on en tenira. Moi, me fouleront, moi, me maniqueront, moi, me sauceront. Tu ne regardes que ton ethnie. Vous pensez que c'est ça la solution? Ce n'est pas ça la solution. Il faut qu'on se donne main dans la main. Je l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, Dieu a fait que, Mashallah, Mashallah, encore, Mashallah, j'ai choisi l'UFDG. Ça ne doit pas vous surprendre. Je suis Guinéen. Je ne suis pas un extraterrestre. Donc, je suis libre de choisir ce que je veux. Donc, si toi, tu penses que c'est pour me remplir les poches, détrompe-toi, tu ne me connais pas assez, mon frère. Hein? On se voit sur les réseaux sociaux, mais on ne connaît pas la réalité de ce que nous vivons. Donc, idée balang. Il ira parti. Comme si, comme Alato Afalari, Al-Quran Akui, Afala, Munafirin Ebe, les mécréants, Surat Al-Kafirin, la condamne Kum Waliyadin, reste dans ta religion, je reste dans la mienne. Donc, restez dans vos partis, je reste dans mon parti. Nous resterons dans notre parti aussi. C'est simple, aussi simple que ça. Pourquoi Nagba Metana? Hein? Est-ce que non, ma fala dira sa kafiri tongo forcé, brouk, fangera sou moussoumia? Non, ça va dépendre de lui, à la volonté. Moi, ma volonté, c'est de choisir l'alternance, l'UFDG 2020. Sincèrement, honnêtement, on veut le changement. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, rien ne peut m'influencer, moi. Mbara kobirito, ka voyage na rambara raba mbara dunia yere, mbara te avion kui rango ni bara ngono. Nte avion kui rango ni ngono, foye so ngo ni kui ngo ni wa bulafe. Donc, miri mon nene ram madaruma, na ram mon dunia kolo. Tu vois non? Et je le dis, je suis monté dans les avions, j'ai marché, je suis monté dans les avions jusqu'à ce que ma tête me fait mal même. Parce qu'il y avait des moments quand je veux voyager, je pars dans tel pays, je pars dans tel pays, je fais deux jours, trois jours, je reviens. Hey. Donc, si toi tu penses que moi je suis dans UFDG pour bouffer, ça c'est ton affaire, c'est ton problème, c'est ton opinion, je la respecte. Je ne vais même pas te répondre pour ça. Maintenant, ce que je vais te dire, reste tranquille dans ton coin. Si je n'ai pas de poids bas, si j'ai le poids bas, reste dans ton coin, tu regardes comment vont aller les choses. Ibrahim en a un fort. Et à la Rorène. Warren a engagé Fekoui, la Syrie. Eh, un fils digne. Quand un fils digne s'engage dans quelque chose, et là, le film là est beau. Tellement que le film va être beau. Ça va être trop doux. Parce que un fils digne ne va jamais changer sa veste. Il ne va jamais retourner sa veste. Est-ce qu'il a compris? Ah ah. N'a pas été maradi. N'a pas été maradi. Gros 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 gros. Hey. Borena 2 millions ça y est. 2 millions quand il y est. Avala 2 millions quand il y est. Il y a dans le monde, il y a 500 000 dans le monde. Ah bon, bon, ara. Vous pensez que c'est ça? Hein? Hein? Je dis, j'adhère à l'UFDG et je suis content. Ma première dame, elle m'a appelé. On a parlé officiellement, tranquillement. Toi, reste dans ton coin. Tu te tais, tu fais les campagnes pour ta partie aussi, eh, pour ton parti. Si tu es fâché de ça, ne parle pas, n'insulte pas les gens. Fais aussi la campagne pour ton parti. C'est aussi simple que ça. Vos chefs qui sont là, ils sont conscients
que voilà, pour qu'il gagne, il faut qu'il fasse des campagnes. Donc nous maintenant, là, dès maintenant, on s'engage à faire campagne pour notre parti, pour qu'on puisse gagner. Donc au lieu que toi tu insultes les gens, pourquoi tu ne vas pas faire campagne? Campagne là, on fait campagne pour l'UFDG. Qu'est-ce que... Hein? Lève-toi, Kelly, et campagne là-bas, et va partir. Ben. Allons. Parce que vous êtes là à mettre dans les commentaires, on va voir, on va voir, on va voir. On va voir quoi? La tricherie. La tricherie. Tricherie. Toi-même, tu sais que consciencieusement, UFDG. UFDG. Et RPG. Il n'y a pas match. C'est comme Barcelone et Bayern Munich. 8-2. Et n'a comprend le cas. Allô, on est. Allô, techno. Techno, on a 100 000 à nous iPhone 11 Pro Max. C'est UFDG, iPhone 11 Pro Max Nara, devant RPG qui est techno. En réalité, c'est ça. Tu comptes sur quoi? Tricherie, vol, tricherie, car c'est ce que tu dis. Après, tu es là à dire que, ah, il y a la sécurité, les gens vont sortir pour sécuriser. Arrête de chanter, chanter. Et compter qu'on a 500 000 là-bas. Et compter qu'on a 1 million là-bas. Tu comptes sur les 5 millions là. Tu comptes sur les 2 millions là. Pourquoi tu ne vas pas faire comme nous? Tu crées ton propre business. Tu crées des idées. Pour ne pas que quelqu'un te dise, ah, si tu ne pars pas dire, crier là-bas mon nom, je ne vais pas te donner 1 million. Si tu ne vas pas faire sortir les gens pour moi là-bas, je ne vais pas te donner 10 millions. Pourquoi tu ne ferais pas ça? Hein? Tout ce que je suis en train de dire, et tous ceux qui sont en train de me regarder là, beaucoup de gens dans ce même système là me connaissent très bien. C'est mes grands frères, c'est mes grandes soeurs, c'est mes grandes. On se côtoie. Mais ils savent pertinemment que normalement, honnêtement, chacun a son opinion et son appartenance politique. Il y a un gars qui m'appelle hier qui me dit, ah mon frère, toi tu fais conseil pour la religion, pourquoi tu t'engages dans la politique? J'ai dit, mon frère, mon appartenance politique et ma religion, c'est deux choses différentes. Mon appartenance politique et ma religion, c'est deux choses différentes. Ce que vous devez mettre en tête, Guinéens et Guinéens, ce qu'on doit comprendre, enlever les partis, c'est-à-dire la partie du virus là, ethnocentrisme, c'est Peul, c'est Malinké, c'est Soussou, on va pas aller chez eux. Et pourtant, dans tout ça là, vous vous dites musulman encore. Et où est musulman dans ça là? Pendant que Allah a dit dans le Coran, le plus noble parmi vous est celui qui me craint le plus. Allah, Al-Jawajal, il a dit, le plus noble parmi vous, ma création, c'est celui qui me craint le plus. Et pourtant, nous sommes arrivés à une époque où on ne craint pas Allah. Tous les musulmans sont frères et sœurs. On ne craint pas Allah. On s'en fiche royalement. Il y a des gens qui disent que ah, tu cherches vue. Quelle vue? Oh, je m'en tape du vue. J'ai fini avec ça. Va, tu tapes Jibril Agi officiel. Tu verras là-bas la page 190 000 et quelques personnes, pas de Guinéens, d'Afrique, du monde entier qui me suit. Tu verras des vidéos de 5 millions, de 2 millions de vues, de 3 millions. Va maintenant là, tu tapes. Donc, je n'ai pas besoin de vues. Dis page Narek, page Agile King là. Je l'ai juste créé il y a quelques mois. Ça, c'est un autre défi pour montrer que oui, I'm King. King. Je gère beaucoup de pages. J'ai créé une autre page encore, AJTV. Et la Fantomaya, ça va être follow. Donc, à perte de vue là, on a fini avec ça. Blog là, on a fini avec ça. Ça, c'est piétiné. Jaël, c'est-à-dire terminé, enterré. Bye bye. Et bien, la comprenez rien. Donc, Benou Ongafala, bonjour, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Reste dans ton parti. Tu supportes ton président. Tu supportes ton ethnie, comme on a virus n'infaté, à Moubama infaté, à cancer. Tu laisses les autres faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est ça, c'est tranquille. Nous, on a choisi l'alternance, l'UFDG. Je le dis et je le répète. Moi,
Je suis un fils digne. Je m'engage et c'est à vie. Sauf si eux, ils me jettent. Mais moi, je ne les jetterai jamais. Parce que je ne me suis jamais engagé dans la politique pour quelqu'un. Je m'engage pour combattre le mensonge, pour combattre. Guinée-Dimira-Koumi. Ah ouais. Et Radoumé, les petits qui sortent dans les rues pour crier pour eux, quand eux, ils finissent de crier, ils viennent, ils donnent 1 million. Les petites filles qu'ils voient 10 à 15 minutes là, c'est 50 millions, 5 000 dollars, 10 000 euros. Ah ouais, là. Donc, en gros, ma journée d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On fait campagne pour notre parti UFDG. L'Amike, Inch'Allah, l'Amike 2020. Hein? Mernenden Walike, Moumoye ça. Agnon Abarabalan, Agnon, faut pas être jaloux de ça, faut pas que ça te fait mal. Parce que tu as vu quelqu'un de, voilà, Pouanen qui, OPP. Nous sommes en mafia, Fstra, Alati. Nous sommes en mafia, Fstra. Bon, il y aura, fait Zendemane, mais ah, Bonyenara, Sembenara, ala, Polo, Moussouma, Moussalima, faut quoi, pour Moukelima, Loro, quoi. Toutes les nuits, je me lève pour prier. Si Allah, tu sais ça. Je me lève chaque nuit pour t'appeler. Et fais marrer mon ma et n'a. Si Dieu, tu sais que toutes les nuits, depuis très longtemps, moi je me lève, je prie toutes les nuits, 1 heure, 2 heures du matin, minimum je donne 2 rakats à toi, Allah. Protège-nous contre, parce que ça minima système, inan. Mais nous, mon moumiri kombiri. Vive l'alternance, vive l'UFDG et vive pour le renouveau pour notre pays. Donc, Nanara, wassalam.